Ceux qui exercent une autorité doivent toujours l'exercer comme un service en suivant l'exemple de Jésus. Ils ne doivent jamais l'exercer de manière arbitraire. Jésus nous a montré une fois pour toutes comment on doit s'exercer l'autorité. Lui qui détenait l'autorité suprême s'est fait serviteur et a pris la dernière place. Il a lavé les pieds de ses disciples, Jean 13, 1, 20. Les parents, les professeurs, les éducateurs et les élus détiennent leur autorité de Dieu. Leur rôle n'est pas de dominer ceux qui leur sont confiés, mais d'exercer, de comprendre leurs responsabilités éducatives ou politiques comme un service. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu 20, 27-28.